Bonjour à tous, c'est Sophie, je suis créatrice de meubles en carton pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Et là aujourd'hui en fait, bonne année à tous. J'espère que vos projets et les différentes choses qui vous tiennent à cœur se concrétisent pour vous. Pour moi, il y a pas mal de choses qui avancent pour moi. Et je vous en parlais dans cette vidéo. Alors bah, tout d'abord, déjà là, dans un premier temps, je vais vous expliquer les tournures que va prendre la chaîne. Parce que je viens de commencer, toujours dans le meuble en carton, mais une nouvelle activité. J'en avais déjà parlé un petit peu sur Facebook en posant la question en fait parce que je vais bientôt vendre des meubles en kit. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé leur feedback en me disant ce qu'ils souhaitaient avoir sur mon site internet dans un premier temps en priorité. Et ça, si vous voulez, c'est le fruit d'un long cheminement parce que comme si vous avez déjà vu les anciennes vidéos, je suis partie l'année dernière en formation de web designer. La formation elle a duré 3 mois et demi. Mais bon, avant ça, il y avait 3 mois parce qu'il fallait monter le dossier. Donc, c'était musclé. Après, il y a eu le temps de la formation. Après, je suis partie 2 mois en stage. Et puis, au bout des 2 mois, j'ai pris contact avec l'école pour savoir quand allions-nous passer la certification, ils m'ont dit bah, c'est encore dans 2 mois. Moi, ça m'arrange bien hein, parce que je suis pas tout à fait au point. Là, ça va être le 24. On doit donner nos sites web sur une clé USB. Et. Et la fin du mois de janvier, on va passer l'examen, donc l'oral et l'écrit. Donc j'ai un peu de boulot quand même. Donc finalement, ils ont reporté 2 mois, ça me dérange pas du tout. Alors je vais vous parler un petit peu de mes projets. Parce que en fait, j'ai quand même écrit plusieurs livres, j'ai lancé des formations. Et j'ai envie aujourd'hui de faire des choses un petit peu plus concrètes concernant ma chaîne. Et donc je vais me lancer dans les meubles en kit, des meubles en carton en kit. Parce que je pense que c'est un bon compromis entre le do it yourself et le fait d'acheter des meubles tout faits. Et c'est parti à la base d'une idée qu'on m'a suggérée parce que au départ, moi, j'étais très occupée sur les stages, les formations, la chaîne YouTube, etc. Et un jour, j'étais dans un lieu qui s'appelle Calfa à Épinal et où on m'a suggéré pourquoi je ne faisais pas de meubles en carton kit. Et c'est vrai que c'était quelque chose des fois on est dans la tête dans le guidon et puis on n'y pense pas. Et depuis ce temps là je suis en train de recommencer de A à Z mon site pour la énième fois. C'est vrai que quand on démarre, au début, on n'a pas toujours les compétences ni l'éclairage suffisant pour lancer un site. Alors je fais d'une pierre deux coups. Je suis en train de réaliser mon site web pour faire mon site de e-commerce. Donc bientôt, vous allez trouver à chaque fois des nouveaux modèles de meubles en carton en kit qui seront disponibles sur mon site web. Dès que je l'aurai mis en ligne, je vous le partagerai sur Facebook. Alors les prochains projets, ça va être. Je vais bientôt passer la certification de web designer fin du mois. Et je vais présenter évidemment mon site web. Donc là, je suis en train de tout refaire. Il y a plein de choses qui vont changer sur le site. Alors il y aura toujours le blog, il y aura toujours
La formation en ligne, il y aura toujours voilà, tous les conseils, tous les tutos que vous aurez, que vous avez l'habitude de trouver dessus, vous inquiétez pas, vous les trouverez sur mon site web. Et il y aura aussi, bah, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui téléchargent mes patrons sur Internet, et le problème c'est que ça marche pas. Et là, je suis en train de refaire le site au propre. Donc, bientôt, bah, si vous avez déjà téléchargé un de mes patrons, je m'en excuse très sincèrement. C'est pas vous qui êtes nul en informatique, c'est moi. C'est moi qui ai mal paramétré le site et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à télécharger. Donc, toutes mes plus sincères excuses. Vous pourrez bientôt, voilà, sur le nouveau site, vous pourrez les retrouver et les télécharger sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Bah déjà, dans ma vie personnelle, j'avance sur certains points. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être la nouvelle année, ça y est, c'est bonne résolution, nanani, nanana. C'est un peu vrai, moi je suis un peu comme ça. Chaque année j'essaye de me pousser, comment dire, de mettre des nouveaux objectifs et de m'y tenir. Alors j'essaie toujours que ce soit le plus réalisable possible et que ça me prenne le moins de contraintes parce que c'est vrai que ouais, je suis pas une nana qui va faire des grosses résolutions, qui va tout révolutionner d'un coup. Moi, je préfère me dire que je vais faire un petit truc de 20 minutes, 1 heure par jour, mais que je vais réussir à le tenir le plus longtemps possible et que ça deviendra un jour une habitude pour moi. Alors, j'ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle, enfin, c'est une coach sportive qui s'appelle Alexandra Lepoix. Je vous mets le lien vers sa chaîne ici. En fait, je l'adore quoi. Parce que moi, je suis déjà pas très à l'aise avec tout ce qui est danse, sport, etc. Moi, j'aime beaucoup la marche. Mais dès que c'est un peu plus sophistiqué, moi, la salle, ça. J'irai pas faire de sport en salle. Je déteste ça. Et elle m'a un petit peu réconciliée avec l'activité sportive parce qu'elle inclut un petit peu, en fait, voilà, je fais un peu de gymnastique, tout ça pour ça. En fait, elle inclut un petit peu de yoga et de pilates dans ce qu'elle fait. Et je l'adore. Et elle est super chou, elle est super féminine. On voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être avec les gens, donc on sent qu'elle est très à l'écoute des personnes. Donc, si vous avez envie d'essayer ou de vous y mettre un petit peu comme moi pour vous sentir un peu mieux dans votre corps et puis avoir une meilleure silhouette, allez voir sur sa chaîne. Elle propose mais des centaines de vidéos qui sont super, super agréables à regarder, super accessibles. Et moi, franchement, c'est mon coup de cœur. C'est rare que j'ai vraiment un coup de cœur comme ça, mais elle, j'adore. Et puis en plus, elle prend le temps de répondre aux gens dans les commentaires, ce qui est assez rare. Et voilà, elle prend le temps de discuter avec vous dans les commentaires. Sinon, je suis. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, là, depuis quelques années, j'ai une autre résolution. Depuis quelques années, en fait, voilà, on a tous eu le Covid. Voilà, on a tous notre vie personnelle, etc. Donc, moi, je vous avoue que ces derniers temps, en plus avec mon activité d'entrepreneuriat, la formation, les machins, les trucs, je m'étais un petit peu, comment dire, enfermée, puis j'étais devenue un petit peu sauvage. Enfin, voilà, c'était une solitude acceptée au départ, parce que, voilà, j'étais dans ma bulle créative. Et voilà, une fois qu'on commence à créer, il n'y a plus grand-chose qui tourne autour. Et c'est vrai que je me suis aperçue que j'étais devenue quelqu'un d'un petit peu renfermé
Surtout qu'avant, avant le Covid, je faisais beaucoup, j'étais beaucoup sollicitée pour des expositions. Et là, j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Il y en a quelques-unes où je reçois des invitations. Et puis là, depuis qu'il y a eu le Covid, je ne me suis pas trop manifestée non plus pour aller en faire. Et du coup, je m'étais un petit peu renfermée. Et là, j'ai trouvé en fait un site qui s'appelle Toutes mes sorties. C'est un site national. Vous pouvez vous créer un compte. Et en fait, vous n'avez pas besoin de vous recréer un compte à chaque fois, à chaque nouvelle région que vous allez, ce qui est très pratique quand vous allez en vacances ou quand vous êtes de temps en temps en déplacement pour rencontrer des gens. Et là, en fait, je me suis mise sur ce site-là. Et je trouve ça super sympa, déjà, voilà, de faire des sorties, de changer un peu les idées, rencontrer des nouvelles personnes, avoir aussi des nouvelles aspirations. C'est vrai que on a besoin, moi je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien me changer les idées, sans forcément que ce soit, ça y est, on est amis pour la vie, machin, machin, machin. Voilà, on va boire un verre. Il y a des affinités qui se créent, c'est bien. Il n'y en a pas, c'est pas un drame. Chacun repart de son côté. Et j'aime bien ce système-là. Alors, je l'avais rencontré sur un ancien site, mais ce site, voilà, je n'y vais plus. Et j'ai trouvé dans le nouveau site-là qui s'appelle Toutes mes sorties. Un site assez agréable, avec une belle ergonomie, assez sympathique, où on sent qu'il y a du monde derrière, des modérateurs. Donc si vous êtes une nana, vous êtes un peu timide et vous avez un peu peur, voilà, allez voir sur ce site, enfin, on sent qu'il y a quand même de la modération derrière. Et si jamais vous êtes embêté, vous pouvez contacter quelqu'un, voilà, pour s'occuper du conflit. Vous n'êtes pas seul, livré à vous-même, à batailler avec des gens qui ne vous correspondront pas. Donc, moi, voilà, je me suis inscrite sur ce site. Donc, moi, je suis dans le secteur d'Épinal, Nancy. Mon pseudo, c'est Choupette57. Si vous avez envie de le rejoindre, je vous ai mis mon lien de parrainage en dessous de la vidéo. Si vous avez envie déjà d'aller faire un petit tour, si vous avez envie de vous inscrire et pourquoi pas vous inscrire à une sortie, voilà, n'hésitez pas. Puis voilà, ça sera aussi. Peut-être qu'on se verra sur une des sorties. En tout cas, ça me fera très plaisir. Voilà, donc là, moi, cette année, ça va être beaucoup de la création de meubles en carton. Bon, là, il y en a plein qui sont déjà créés. Donc, ça va être certains. Je vais reprendre certains patrons des anciens meubles que j'avais déjà fait. Donc ça va être mes projets pour l'année 2020. Si voilà, vous avez d'autres projets, et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye!